Salut, c'est Patrick Couture et vous écoutez les chroniques lecture de Patrick Couture. Cette semaine, j'ai lu pour vous Le Survenant de Germaine Gavremont. Alors, c'est un livre qui a été adapté d'après le film d'Éric Canuel, Le Survenant. Ça raconte l'histoire de Jean-Nicolas Véraud qui se retrouve transporté dans le Québec du Moyen-Âge. Donc, il s'installe au village et pendant un an, il va espionner des canards, fabriquer des meubles, virer des brosses, puis s'en aller. L'histoire est pas vraiment intéressante. Ce qui retient notre attention, c'est vraiment la ponctuation. Le livre est truffé de virgules, de point, de trait d'union. Et c'est vraiment ça qui donne le rythme au roman. Le Survenant est un roman typique du tiroir. On appelle ça des romans du tiroir parce que c'est là qu'on les met d'habitude. Un petit conseil là, comme ça, quand vous achetez des romans usagés, là, faites attention de ne pas tomber sur des versions avec des graffitis vulgaires. C'est un peu frustrant. On sait presque rien sur l'auteur Germaine Gavremont. Par contre, on sait qu'elle était bonne amie avec Gab Roy, la blogueuse controversée qui a écrit Bonheur d'occasion. On sent vraiment l'influence de Michel Tremblay dans le roman, que ce soit par la charge homosexuelle des personnages ou leur dialogue en joie. Qu'est-ce qui vaut plus la peine? C'est pas mal pareil, c'est pas mal identique. Sauf qu'il n'y a pas de blooper dans le livre. Un thème qui est très présent dans le roman, c'est toute la notion de l'étranger. Et c'est quand même assez facile de faire un parallèle avec la situation au Québec en ce moment, hein, avec toute la corruption. Ma cote à moi, 14,14. La semaine prochaine, je vous fais un top 50 des œuvres de Simon Boulris, paru en 2013. Et je critique la plus longue série de romans graphiques jamais écrite. Archie. Allez, je vous dis bonne lecture. Et comme dirait Shakespeare, good lecture.